Je pense que ça va te plaire, celle. Je te déteste. Si c'est pourri, on va vous le dire. Hein. Mais c'est quoi cette arnaque? Ah! Oh là là, c'est la décadence. Salut tout le monde. Hello Athéna, coucou Calice. Comment ça va aujourd'hui, les filles? Ça va. Bon, j'espère que tout le monde va bien derrière son écran. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les enfants, bonjour les animaux. Aujourd'hui, vous le voyez, vous l'avez vu en vignette, on va se faire un swap de... Calendrier de l'Avent. Et calendrier de l'Avent. Wow. C'est la période. Dans quelques jours, on va pouvoir ouvrir les premières cases de vos calendriers de l'Avent. Là, en tout cas, nous, on va en ouvrir déjà quelques-unes. Parce que là, ce sont que des calendriers de l'Avent. Oui. Quatre chacune qui sont enveloppées. Voilà, les blancs, c'est pour Athéna. Les rouges, c'est pour Calice. Donc, vous allez vous les donner une par une. Qui va donner son premier calendrier de l'Avent en premier? Alors, c'est Calice qui donne d'abord à Athéna. Donc, il y a des chiffres dessus, effectivement. Donc, le 1 en premier. Bien vu. Allez voir nos précédentes vidéos de calendriers de l'Avent. L'année dernière, on avait fait les pires calendriers de l'Avent. Ah oui. Sur Amazon, c'était rigolo. Là, c'est que des calendriers on a eu sympas. Des cailloux, je suis sympa plastique. Cette année. C'est que du fun. Bon, alors. Allez, c'est parti. Chocolat. Ah, bien sûr, vous pourrez toujours vous partager aussi, hein, bien sûr. C'est mort. Donc là, c'est un calendrier de l'Avent. On va l'ouvrir après. On va l'ouvrir après. À la fin, quand on aura tout distribué pour les ouvrir, il y a quelques cases. Donc là, c'est plus pour Athéna parce qu'il y a aussi pas mal de chocolat noir dedans. Et Athéna adore le chocolat noir. Maintenant, le premier calendrier de l'Avent de Calice. Athéna, tu peux lui donner. Il y a un dessus. Oh, une surprise, c'est quoi? C'est pour moi, c'est waouh. Et c'est bien foutu, hein, parce que Athéna est en rouge pour donner des cadeaux rouges à Calice. Oh. Et Calice est en blanc pour donner des cadeaux blancs à Athéna. Et également, un petit calendrier de l'Avent chocolat. Oh, c'est que des Kinder Bueno. C'est que des Kinder Bueno. Oh, oui. Et c'est un par jour. Hein, attention. Sauf ce soir, allez, vous allez pouvoir commencer, mais ce n'est pas encore le 1er décembre. Ouais, elle est grande. Ça te plaît? Attends, elle est là. Ouais. Ouais. Allez, mets-le à côté de toi, on continue. Deuxième calendrier de l'Avent pour Athéna. Le numéro. Qu'est-ce que c'est à ton avis? C'est un calendrier de l'Avent? Oui, bravo. Oh, attrapons les deux. Il y a des cartes dedans? Non, il n'y a pas l'air d'avoir des cartes, ça fait un bruit bizarre. Non, me dis pas que c'est des mini figurines de petits Pokémon. Petit calendrier de l'Avent. Si c'est ça, c'est trop bien. One Piece. Non. Non, Pokémon. Oh, j'aimerais trop qu'il y ait un Octalie. Avec marqué Joyeux Pack en anglais. Merry Christmas. Évidemment. Est-ce que ça te plaît, Athéna? Un petit calendrier de l'Avent Pokémon. Ouais. Imagine, c'est fragile. Oui, mais je la prends sur la fragile. C'est fragile. Alors, attention. Ça trouve un calendrier One Piece. Et toi, c'est un petit calendrier de l'Avent. Waouh! Stitch! Waouh, c'est que du avec Stitch! Que des petits Stitch! C'est que des Stitch! C'est génial! Toi, dis donc, à chaque fois, trouver des calendriers de l'Avent qu'on n'a pas encore fait. Est-ce que ça sur Amazon? Est-ce que c'est de la qualité ou pas? Parce qu'on pourra les classer dans les pires calendriers de l'Avent, je ne sais pas. On verra ça tout à l'heure, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, pourquoi il y a un Stitch qui manque? En tout cas, quelques cases, mais pas tout. On va pas tout spoiler. Maintenant, allez, troisième calendrier de l'Avent pour Calice. Pour Athéna plutôt, oui. Athéna, Calice, voilà. Voici un calendrier de l'Avent. Attends, attends. Là, j'ai envie de changer de sens. On va faire l'inverse cette fois-ci. C'est d'abord Athéna qui va donner le troisième à Calice. Allez, je change. Calice. Je sais pas si c'est lourd. On commence à envoyer du lourd. Je pense que ça va te plaire, celle. Je pense que tu vas kiffer. Attention, minute de silence. Regardez, écoutez. Un calendrier d'échecs. C'est quoi? Cheddar cheese. C'est un calendrier de l'Avent avec cheese, que du fromage. Pourquoi? J'avais lu chess. Un fromage par jour. Je sais pas lire. J'avais lu chess au lieu de cheese. Ouais, d'accord, oui. Il y a un pion par jour, comment ça se passe? T'as lu un peu trop ça. T'as un jeu d'échecs avec une pièce d'échecs par jour. Du coup, tu peux pas jouer au début. C'est une idée. Ah là 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 là, mais t'es débile. Donc là, un calendrier de l'Avent avec un fromage par jour, est-ce que tu es content? Je te déteste. Je parie que ça, c'est un truc que j'aime pas. Parce que vous le savez, si vous êtes habitué à notre chaîne, que Calice est le fromage. Adore le fromage tout, et les tomates. Je ne suis pas le fromage. Alors, donc, je ne suis pas le fromage. Elle, elle, tu vas comprendre aussi, pourquoi j'ai donné d'abord le tien, Calice. C'est quoi qui jaillit? Waouh, des petits chocolats Kinder. C'est un calendrier de l'Avent Kinder, mais regardez, c'est nouveau cette année. C'est pour deux. C'est-à-dire, dans chaque case, il y a deux fois chocolat. Le même chocolat. En gros, ça, c'est donc, pour toi, tu
tu voulais. Celui-là est pour moi. Bien vu, Athéna. J'en ai un pour moi. Bravo. Je le garde. Et celui-là, il est pour vous deux. C'est bien foutu quand même. Ouais, c'est bien foutu. Ouais. On regardera tout à l'heure. On va en ouvrir tout à l'heure. On va tous les ouvrir quelques cases. Allez, les derniers. Calendrier de l'Avent, numéro 4. On peut regarder cet ordre-là. Ok. J'adore faire ça. Et moi, je vais ouvrir un fromage quand même. C'est des briques de dinosaures. Et c'est un calendrier de l'Avent de dinosaures. Allez, c'est le seul placement de produit de cette vidéo et pas des moindres. Je trouvais ça sympa en fait. Voilà, je lui dis, allez, pourquoi pas des petites surprises en rapport avec la préhistoire et les dinosaures. Ça a l'air trop bien. Chez Buki. Donc merci à Buki France. Vous pouvez trouver ça dans tous les magasins de jouets. Je croyais que t'avais dit chez Buki. Genre chez Buki. Ah oui, chez Buki. Buki. Chez Buckingham Palace. B-U-K-I. On va ouvrir une ou deux cases tout à l'heure. Allez, pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et enfin le plus gros. Le plus gros pour Calice. Mais je pense qu'on pourra utiliser tous les trois. En tout cas, c'est quand même toi qui aura le privilège. De regarder, de tester, puisque c'est original aussi. Hein. Ça veut dire que c'est pas un calendrier One Piece. C'est original. Mais non, c'est pas One Piece. Et je suis sûr qu'elle s'y attendait, mais non, il n'y a pas de calendrier One Piece. C'est un calendrier de l'avant. Escape Game, avec des énigmes, bien donc sans doute. Mystère au fond des mers. Donc à chaque case, il y aura une énigme au fur et à mesure. Je ne sais pas trop comment ça marche, hein, forcément. Moi non plus, j'en ai aucune idée. Et je pense qu'au fur et à mesure, on va évoluer dans notre enquête. Il va falloir s'échapper du sous-marin, je ne sais pas. En tout cas, ça a l'air très sympa. Voilà, si ça vous plaît, les Escape Games, version calendrier de l'avant. On n'en ouvrira qu'une, hein, histoire de pas aller trop vite, voir comment ça se présente. Ah bien, on n'a qu'à commencer par le premier pour ouvrir, je sais pas, une, deux, trois cases, comme vous voulez, de vos calendriers de l'avant. Un petit chocolat d'abord. Toujours. Allez, ouvrez. Toujours un petit Kinder. Calendrier de l'avant, chocolat. Toujours un petit Kinder Bueno. C'est bon le chocolat. J'ai tout mangé. Je vais manger maintenant. Ouais, on se prend une glace. Bon, c'était revisité. Ah ouais, mais non, mais là. Merci Camille. Bon, ok, je te le donne. Le 1, il est où le 1? Il est là. Il est là le 1. À mon avis, c'est un petit carré. Ah non, on commence par un Lindor. Et le rouge, il a quoi? Chocolat noir, je sais plus. Bah non, le classique. Hein. Lait. Classique au lait. Et tu le manges maintenant. Je vais ouvrir les petits Stitch. Okay. Allez, la première case ou les deux premières cases ou les trois premières cases, comme tu veux, du calendrier Stitch. En plus, il est pas très cher, je trouve, sur Amazon, mais si ça se trouve, c'est pourri. Hein. On va voir. C'est pourri, on va vous le dire. Hein. On va ouvrir. C'est que des petites figurines normalement. Hein. Mais. Quoi? C'est pas un petit Stitch! Ah, c'est pas un Stitch! Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y'en a 21! C'est de l'arnaque! Effectivement, c'est pas un Stitch, c'est un petit nounours. Il est mignon, remarque, mais c'est pas Stitch, toi. Ou alors c'est Stitch déguisé en nounours. Oh! Eh, c'est beaucoup plus mignon que ce que je pense. Ouais, elle est pas mal. Elle est trop mignonne. Allez, est-ce que t'en veux un troisième? Oh oui! Allez, on se fait plaisir. C'est toujours pas un petit Stitch. C'est pas du Stitch à chaque fois, hein. Quatrième ou pas quatrième? Faut que ça soit un Stitch. C'est pas un Stitch. Doucement. C'est pas un Stitch. Mais c'est quoi cet arnaque? Allez, on continue. Nous, on veut un autre Stitch. On finira sur un Stitch. Ça se trouve, ça va être pareil pour Athéna. Il y aura pas de Pokémon. C'est quoi ce truc? En plus, ça n'a rien à voir avec Stitch. Ouais, c'est juste... Oh non, on me dit pas qu'il n'y a pas de Stitch. Mais c'est un Sackboy. Oh. Limite. J'aurais un Stitch. Ouais, t'as raison, on continue. Ah, en tout cas... Les Stitch se cachent. Ils se sont cassés aussi d'ailleurs. Ah bah voilà. Voilà qui est mieux. Bon, a priori, le reste tu le gardes pour le mois de décembre, mais a priori, il n'y a pas que des Stitch. Je suis un peu déçu. Oui. Ça se trouve, pour le Pokémon, ça va être pareil. C'est pas un Pokémon? C'est un Pokémon? Non, ça a pas l'air d'être un Pokémon, c'est trop moche pour être un Pokémon. Je veux dire, il y a des Pokémon qui sont moches, mais là, il est vraiment moche. Tu vois? Ouais, c'est vrai que les Pokémon, des fois, c'est bizarre, on sait pas. Hein. Oh. Alors. Oh! C'est ça, quoi? C'est un Pokémon. Oui, ça, c'est un Pokémon. Ah bon? Mais je sais pas lequel. Ténébrique, je crois, un truc Ténébrique. Comme ça. Ténébrix. Mon troisième. Oh! Un caillou? Non! Oh non, c'est un. Ah, ça, c'est un Pokémon, non? Un...
Ils l'ont cassé. Il est cassé. C'est un Pokémon, on est d'accord ou pas? Ouais, c'est de l'arnaque. Pourquoi? Non, c'est cassé. Oh, ça va. Il est cassé? Un petit peu. Oh là là. Et un dernier. Bon, c'est vrai que ça coûte pas très très cher ce calendrier de l'avant. Ah, oh, génial. Ah, ça s'en est un a priori. Mm-hmm. C'est pas un bon gosse ou un truc comme ça? J'espère qu'il y a un Pikachu à l'intérieur. Non, mais ça. Ça se trouve Pikachu, il est à la case 24. Mais bon, on va peut-être pas se spoiler. Allez, un dernier. Un dernier, allez. Comme ça, on est égalitaire. Et là, c'est un Stitch. Non. Tu imagines? Oui, c'est un singe, oui, je vois. Pikachu? C'est pas un Pokémon? Si. Si? Ça, c'est un Pokémon? Au moins, papa, t'as des Pokémon. Bah, alors, le premier, t'es sûr que c'est pas un Pokémon? Si, je suis sûr que c'est un Pokémon. Ah! Bon. Bah, dites-le en commentaire si vous pensez que c'est un Pokémon ou pas. A priori, il y a que des Pokémon là pour le coup. Là, je dis rien. Bon. Alors, on ouvre quoi? Ah oui, le fromage. Non, d'abord, d'abord la boîte pour deux. Vous allez avoir deux fois le même Kinder. C'est très sympa ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est une bonne idée. Quand on veut avoir un calendrier de l'Avent, je sais pas, pour frères et sœurs, ou en couple, hein, pourquoi pas, pour les parents. Je trouve ça sympa de faire un truc pour deux comme ça. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ah, pop, c'est joli. Il est joli. Il y a des belles cases dans le désordre. Ça, c'est sympa. Il faut chercher la case 1. Et voilà, il y a deux Kinder Country, non? Country? Non, Mini. Kinder Mini. Ah oui, c'est. Oui, d'accord, je vois. C'est les petites barres de chocolat Kinder. Bon, c'est sympa. Vous les mangez pas tout de suite, vous les gardez? Tu les manges tout de suite, Athéna? Non. Allez, vas-y. Moi, je suis pas une gourmande. Bon appétit, Athéna. Allez, moi, je propose maintenant d'ouvrir le calendrier des fromages. Des dinos. Pendant ce temps-là, toi, Calice, tu peux enlever le blister de ton escape game. Il y a du plastique. Et le plastique, c'est bon pour la planète. Non. Non, c'est pas ça. Non. C'est pas ah non, ça. Je confonds. Non, non. Oh là là, c'est la décadence. On n'est pas du tout engagé. Allez, c'est pas grave. Dino! Dino! Alors, comment ça tourne? Ah là! J'ai juste fait tous les bords sauf pas le bon. Allez, vas-y, tiens, je te fais un petit peu de place. Hop! Oh! Mais c'est trop stylé! Ah oui, c'est par sachet. Le sachet tue. Les dinosaures ont vécu très longtemps avant Jésus-Christ. Je le sachais. Il y avait beaucoup moins. Je le sachais. Oh, mais ça, c'est un Pikachu! Ah non. Je m'y connais plus à son dinosaure. C'est un T-Rex? Ah non, c'est pas un T-Rex. T-Rex. Est-ce qu'il y a un... Non, il s'est pas marqué ce que c'est. C'est pour moi. C'est purement un T-Rex. Ah ouais. Mais bon, c'est sympa. Ah, au moins ça, au moins là, on a du dino. Ah. Est-ce que tu veux en ouvrir un deuxième? Ouais. Et là, il y a un Pokémon. Regardez comment ça se présente. Alors, ce qui est bien en plus, c'est que c'est 25 surprises, mais c'est pas forcément écrit calendrier de l'avant dessus. Vous avez dû remarquer tout à l'heure. En fait, c'est vraiment un calendrier qu'on peut utiliser n'importe quand, par exemple 25 jours avant son anniversaire. Même si vous êtes né le 25 mars, vous pouvez ouvrir des cases à partir du 1er mars. Donc ça peut être utilisé n'importe quand, mais ça marche très bien en tant que calendrier de l'avant. Voilà, je trouve ça malin. Donc ça, on peut s'offrir à n'importe quelle période de l'année. Par exemple, 25 jours avant le bac de français, tu peux t'offrir un dinosaure chaque jour. J'aime bien l'idée en plus. C'est vrai? Chaque jour, tu fais un texte. Waouh, du Baudelaire. Ah, pourquoi pas? Bah oui. Bon, en plus, c'est pas loin de 25 textes. Hein. Oh. Alors, fais voir. C'est un petit autocollant. Un petit autocollant. Ah, il est tout doux, en fait. Oh. Il y a du tissu. Ouais. Et a priori, ça tient bien, parce que c'est un adhésif 3M. C'est pas les trucs qu'on met sur les vêtements? Ah non, j'ai rien dit, c'est stylé. Non. Et... Une petite dent. Alors, est-ce que elle te plaît cette petite dent de calamar préhistorique? Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il a dit que c'était une dent de calamar préhistorique. Oh, j'avais pas fait gaffe. Cette maligne, c'est une dent de quoi alors? C'est une dent de maman. Dino. De maman. C'est des bêtises. Ouais. Mais on est là pour ça, on est là pour vous divertir, ça va nous passer un bon moment. Voilà. Bah, très bien, très joli. Tu vas en ouvrir un quatrième ou tu t'arrêtes là pour le dino? Après, t'as le droit de garder les surprises pour toi quand tu vas les ouvrir au mois de décembre, sans qu'on spoil évidemment. Allez, la dernière. Allez, un vrai dino encore aussi. Ah oui, ça c'est quoi? C'est pas un stégosaure? Je sais plus comment ça s'appelle. Mais il est connu celui-là. Ouais. Il est connu. Il y a bien un petit mode d'emploi pour expliquer les surprises qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'était bien un T-Rex, le premier. Et le deuxième, c'est un petit autocollant de T-Rex. Et après, le troisième, on a une dent d'Albertosaure.
Enfin, on salue tous les Albert qui nous regardent. Voilà, on a la dent et on n'attend plus que l'Ève. Peut-être là-dedans, nous avons l'Ève pour faire la dent et Ève. Et là, nous avons en quatrième. Eh bien, hé, j'étais pas loin, le Parasolorophus. Hein, et bien sûr, si vous voulez pas être spoilé, je vous invite de regarder ce mode d'emploi, ce petit livret, avant d'ouvrir toutes les surprises. Hein. Mais en tout cas, c'est très sympa. Et pendant ce temps, Calice est en train d'ouvrir la boîte de l'Sky Game, donc la première case uniquement pour celui-ci. 1er décembre, 19h32, Captain John Nautilus, Dassault. Depuis plusieurs mois, nous transportons une équipe de biologistes marins vers différents sites autour des Bahamas. À bord de notre sous-marin Vega, il y a un point. Aujourd'hui, puissante tempête. Au premier changement de quart, les appareils nous signalent soudain un dégât dans la coque. Origine inconnue. Avant que le Vega ne sombre au large des côtes de... Nous réussissons à tous nous hisser dans les capsules de sauvetage, ballottés par les vagues. Nous dérivons pendant des heures jusqu'à ce qu'un bateau de pêcheurs nous sauve. Mais le Vega a sombré, emportant avec lui les précieux relevés et les résultats de recherche. Quelle perte inestimable! Je sais pas ce que j'ai fait sur la fin, je suis partie en freestyle. Oh! Y'a pas les numéros des cases! Déjà, l'énigme, c'est trouver la bonne case. Eh, hey, mais t'as remarqué que aussi la date, la... L'année. Oui, je sais. Elle a été enlevée. Ah, ah. Peut-être dans le dégât. 19h32. C'est sûr que c'est une heure, c'est pas des coordonnées GPS, non? Non. Il y a un truc, là. La première énigme se trouve sur le parchemin que tu viens de lire, Calice. Je sais pas quel est l'indice. Allez, on va plancher dessus. Planchons dessus. Planchons, planchons. Et si... Ah non. Et si. Alors, j'ai une idée à Boscavo, au niveau des coordonnées. Là, c'est le seul où il y a 32, vous voyez. Mm-hmm. Et là, c'est le seul où il y a 19. Donc, peut-être qu'il y a 19, 32, et que c'est ici. Voilà, c'est une idée. Tu tentes? Je tente. Allez, on croise les doigts. Ah, c'est ça. Il y a un 1. Yes! Allez, on ne va pas vous spoiler plus. On vous a donné une petite idée de comment réfléchir. Et là, il y a un QR code. Bon, ok, ben, on continuera ça. Ah bien, le 1er décembre. Ah, c'est bien le bon site. Le capitaine stoppe notre bateau d'expédition et demande à ses marins de hisser un drapeau. C'est parti. Ils sont le drapeau. Où est-il? Mais vous ne l'ouvrez pas maintenant. Vous l'ouvrirez le 2 décembre. Allez, j'espère que cette vidéo spéciale calendrier de l'Avent sympa avec des chocolats, avec des surprises, avec des jeux, vous aura plu. Dites-nous ce que vous en pensez. Au niveau du calendrier Stitch, il n'y a pas que des Stitch. Hein. Je suis un petit peu déçu. Voilà, mais le Pokémon tient sa promesse. Merci à Bucky qui nous a envoyé le calendrier de l'Avent avec les dinos. Très sympa. Et oui, moi j'ai pas ouvert mon premier fromage. Oh. Ah bah non quand même. Alors il est où? Alors ça pour info je l'ai acheté chez Costco qui est une grande surface américaine, mais il y en a que en Île-de-France, il y en a deux en Île-de-France. Et bon allez, je vais tester. Allez, vas-y, ouvre-moi la première case. C'est mon calendrier. Bah, tu me le manges pas. Allez vas-y Kaïs, ouvre-moi mon fromage, que au moins je suis sûr que tu vas pas me le manger. C'est un gouda, non? J'en sais rien, moi. Tu crois que je m'y connais, en fromage? Ah, c'est un Leicester. Un Leicester. Oh, un petit... Ah ben, je vais manger ça, moi, mon petit fromage. Je me le mets de côté pour ce soir, pour le dîner. Bon, ben voilà. Très content. On se fait plein de gros bisous. Merci. Profitez aussi de vos calendriers de l'Avent. Je suis sûr que vous en avez au moins un. Dites-le en commentaire. C'est sympa, voilà. C'est fun, c'est rigolo. Ça fait patienter jusqu'à Noël. On se fait de gros bisous. On se retrouve très vite sur Studio Bubble Tea. Un petit spogos. Et puis à bientôt. Et gros bisous. Gros et surtout, n'oubliez pas, soyez vous. Soyez bien. Soyez bon. Et vivez vous-même. Et les spogos.